Je le dis et le redis. La miséricorde de celui qui nous aime a permis que nous soyons rebelles et têtus. Oui, c'est la cause de la miséricorde. Nous n'avons plus peur de lui. Quand il nous protège contre la méchanceté des hommes, la méchanceté des êtres qu'il a créés pour le servir, qui sont rebellés contre lui. Parce qu'on vit, on ne le respecte plus. Regardez comment les gens ont peur. Mais qui subissait ses frères? Parce qu'ils n'ont pas la miséricorde. Les chefs de terre qu'on a donnés à Keblan. Puis-je dire Africa? Ils sont orgueilleux parce que la miséricorde de Bédachem est avec eux. Si la tête est orgueilleuse, le corps sera orgueilleux. Voilà pourquoi vous voyez les paroles de mystère qu'on donne et la grâce et la miséricorde saisit. Le grand Hachem retarde la manifestation de cette parole de mystère. Les hommes pourvus de sens et de conscience s'élèvent pour dire: l'envoyé de Gretachem est un homme de balivernes. Et un arbre corrompu. Ça, c'est la malédiction qui a poussé Kisbis et ses frères à être chassés. Quand le grand Hachem révèle les plans de l'ennemi, il veut que ses enfants reviennent à lui. Mais quand ils s'entêtent, vous savez, quand on coupe la tête, le corps ne peut pas fonctionner. C'est pas un plaisir de se mettre et dire que cette terre va être détruite par les fautes, les péchés de la tête. C'est pas un plaisir. Vous êtes là, assis derrière vos claviers. Vous pouvez rencontrer de n'importe quoi. Mais c'est un poids. Pour le Nabi que je suis, pouvez-vous aller à Libye, vivre ce que les Libyens aujourd'hui vivent? Allez-y au Rwanda, ce qui s'est passé là-bas, la cruauté des hommes. Vous êtes assis derrière vos claviers. Être juge de ce que vous ne connaissez pas, c'est parce qu'il vous empêche. Si vous étiez dans le tourment de l'âme, de l'esprit et de votre corps, vous ne pouvez pas écrire. C'est la miséricorde. Je le dis même aux gens qui sont autour de moi. La miséricorde de Grand Hachem fait que vous et moi, on désobéit. On ne respecte pas. Allez insulter un prêtre boudou. Allez insulter un prêtre fait. Allez insulter un prêtre Jobi. Si le lendemain vous allez revivre, allez-y, on va voir. Pourquoi vous ne le faites pas?
Vous savez que il y aura une sentence. Mais le Great Hashem est tellement bon. Il prend le temps avant de frapper. Mais écoutez, écoutez la voix qui vous parle. J'ai vu une terre de fraternité, de justice et de labeur. Cette terre était dirigée, pardonnez si j'écorche le nom, because c'est en fond. Cette terre était dirigée par Behim. G-B-E-H-I-N. Asi. A-Z-I. Bo. B-O. Aïdje Aoussou Gwelewe. Il est assis parmi ses ancêtres. Dada Tukunu. Tukunu s'écrit D-O-K-O-U-2-N-O-L. Au milieu de Semedo. Semedo, c'est écrit S-E-M-E-D-O. Au milieu de Haïnou. Haïnou, c'est écrit A-I-T-R-E-M-A. N-O-N. Il y avait aussi Zé-Oussou. J-E-H-O-2-S-O-U. Et j'ai vu les signes du pouvoir. Le cataclé. Les affoplans. Le avotita. Le macro de son et le ti. Le son, c'était sous une forme de physique. Et le H-W-I, c'était une forme de sable. Ces vieillards discutaient que la terre de la fraternité, de la justice et de la labeur est devenue une corruption, une haine. Cette terre était tellement vaste, ça avait 114 763 kilomètres carrés, selon les hommes. Et pendant qu'il parlait, j'écoutais des mélodies de l'aube nouvelle. Des mélodies de l'aube nouvelle. Il sort. Et Behim Azibo Aisho Aousso Bo Bele a pris la parole, a dit, lors de mon vivant, j'ai été amené en exil. Amenons-le aussi en exil. Il n'a pas compris que l'exil nous forge pour être meilleur. La haine envahit son cœur. La vengeance le ronge.
Il n'est plus digne de s'asseoir sur le trône. Et celui qui était à sa droite, qu'on appelait affectueusement Dada, lui, il était plus sévère. Et non! Rendons-lui avec la maladie. Comme ça, il va rejoindre. J'ai mis une maladie en lui. Laissons-le venir à nous. Il saura que quand on te donne le pouvoir, tu dois penser aux pauvres. Même s'il faut châtier, on châtie avec amour. Et Aïno a pris la parole et dit: les hommes ont tourné le dos à nous, les ancêtres. Ils ne savent pas que le chemin qui mène au puissant Créateur du ciel et la terre, c'est nous. Laissons-le, parce qu'il a permis que nos symboles reviennent au pays. Alors pour cela, laissons-le vivre inapte. Et choisissons quelqu'un qui va venir finir ce qu'il a commencé. Et là, j'ai vu une femme. On a pris une femme qui est venue s'asseoir sur le trône. Et cette femme, quand elle est venue s'asseoir sur le trône, parce que celui qui était là avant lui n'était plus humain dans la forme, mais esprit dans le fond. Oui. J'ai vu cette femme assise sur un trône. Et un vieillard qui était dans l'ombre criait: c'est pas possible. Une femme ne peut pas diriger les hommes. Alors, cette femme a eu la grâce d'arranger le pays pendant près de 300 jours. Et un homme de race est arrivé dans son pays. Pour prendre le pouvoir et rendre aux ancêtres la puissance. Vous comprenez cela lorsque vous saurez que c'est là va se produire dans la lune qui a commencé. Et que aujourd'hui, nous sommes
le 6 janvier 2022. Jugez un avis sur les paroles, non pas sur l'instinct animal qui vit en chaque humain. Je prie pour cette terre bénite afin que celui qui a commencé à bénir revienne vers les ancêtres et pardonne parce qu'il n'est pas mauvais. Mais la haine est tellement grande en lui. Il fait du mal à tous ceux qui l'ont fait du mal hier. Comment pourras-tu avoir la miséricorde de grand et sacré Hachem lorsque tu ne peux pas pardonner ton semblable? Oui, je vous dis, écoutez très bien ceux qui ont intervenu. Et c'est ça qui se passera. Qui suis-je? Est-ce vrai que je suis Nabi? Mais c'est dès que mon Mashiach, qui a le spectre de la royauté et représentant son autorité. Tu sais que je parle. Ne te réalise pas ce qu'il n'a jamais parlé de ma bouche.